place pour ça. On est dans la salle de contrôle du système planétaire ici, là. Je le sais, c'est pour ça que je... Ketchup, non! C'est qui vient de faire exploser le système de défense antiméteorite? Oh! Yeah! 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 Il y a une météorite qui arrive, qu'est-ce qu'on fait? La seule solution, c'est de réunir les clans. Ouais, t'as raison. Ouais. Ok, je vais faire l'appel. Défenseurs de la Terre, peu importe où vous êtes, la Terre est en danger. Revenez immédiatement! On a besoin de votre aide. Dépêchez-vous! Faut aller leur dire. On y va. Okay. Équipe, l'heure est grave. Une météorite fonce directement sur la Terre. Et notre système de défense a été complètement détruit. Oh, on va tous mourir! Une météorite? Comme les dinosaures! Kiwi, les dinosaures sont éteints. On veut pas être comme eux. Pas de panique. Maracas, la capitaine des soldats, va nous dire notre plan d'attaque. Merci. Donc, comme vous le savez, une météorite frappera la Terre dans 36 heures maintenant. 36 heures? J'aurai jamais le temps de finir mon livre. Pas si on a un plan efficace pour envoyer un nouveau satellite. C'est pour ça que mon équipe de soldats va aller chercher le moteur du satellite dans un repère de brigands ninja pirates super trop méga dangereux. Les quoi? Les brigands ninja pirates super trop méga dangereux, duh! Les explorateurs, vous allez devoir trouver du carburant ultra rare sur une planète tropicale à l'autre bout de l'univers. Ultra rare? Planète tropicale? À l'autre bout de l'univers? Ben trop down! Pour ce qui est des autres pièces, j'ai tout commandé en ligne avec l'option express et le tour est joué. Moi et mes amis, on fait quoi? Ben, je sais pas trop qu'est-ce que vous pourriez faire, là. Donc, bonjour Grizzly, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ensemble? Gâteau fête! Un gâteau de fête! Gâteau fête! Vous voulez faire un gâteau de fête? Bon, ben, si tout le monde a son travail, allez, debout! Maracas! Oui, les filles! OK, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? Bon, est-ce que je devrais leur dire qu'elles font jamais rien, donc que j'ai rien de prévu pour eux? OK, mais est-ce que tu te rappelles la fois où je parlais au téléphone, je mangeais en même temps, je faisais les horaires, puis en plus, je berçais le petit Kevin? Puis là, Zumbo rentre dans le local, puis il dit genre... Allez, Namasté s'est enfui! Fait que là, je sors pour aller chercher Namasté, mais j'entends... Ah! Pis là, Kiwi est comme « J'ai mal! » Donc là, je me transforme en infirmière. Kiwi me dit « Merci! » Mais là, il y a Ficelle qui arrive pis qui me dit « Citron! Citron! Il y a un enfant en feu! » Donc, je prends mon extincteur pis je vais éteindre l'enfant. Ok, mais c'est juste une journée, là. Pardon? Hey, là, je viens de te raconter une de nos journées les moins pires. Dans ce cas-là, si vous êtes si efficace, pouvez-vous aller chercher des pièces pour notre satellite? Je viens d'apprendre que notre colis a été détruit par la poste. Bilou et Oreo ont déjà travaillé là-bas. Fait que je suis même pas surprise qu'il ait pu briser nos matériaux. Alors, allez-vous pouvoir? Des outils, du tape, un cône, de l'aluminium, du fil. Comment tu sais? C'est simple. Je vais te l'expliquer. Donc, avant la réunion, Citron me demande... Comment on pourrait aider les animes dans leur quête pour sauver l'humanité? Et je lui dis, on préfère tout le travail et leur faire croire qu'ils ont accompli quelque chose, comme d'habitude. Bien évidemment, il nous faut des outils pour construire le satellite. Donc là, je pars prendre des outils dans une boîte magique de Respo. On a aussi besoin d'aluminium. Donc moi et Citron, on part voir cet homme un peu louche.
Tu as le stock? Ouais, toi? Tiens. Bon, il manque juste le tape et le cône. Citron me dit alors, je sais où trouver un cône. Parfait, je sais où trouver du tape. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir tous les matériaux manquants avant même que vous sachiez que vous alliez en avoir de besoin. Well, bravo les filles. Aïe aïe, on est tellement bonnes! On est les meilleures! Ouais. Aïe aïe, c'est riche, je suis tellement fière de nous! Mais pour vrai, j'en reviens pas comment on était sacs! Mais pour vrai, on travaille vraiment bien, ouais! Mais pourquoi il est avec nous, Ketchup, là? C'est parce que Husky est occupé aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est avec nous. Ah, puis réveille Ficelle, c'est un singe, puis ça l'a des sens aiguisés. Des sens aiguisés. Hey, Ketchup, attrape! Ah, oh, ouais. Ah, mais au moins, on a Belle qui est sur le point de trouver un chemin. Je m'y fierais pas trop, je comprends rien. Elle n'indique même pas le nord, cette carte. On va jamais trouver le carburant, la terre est finie! Ketchup! Ah non, si on le retrouve pas, est-ce qu'il va être fâché? Ok, allez, hop, let's go, on va le retrouver! Ketchup! 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 Arrête, Ketchup! Ketchup! Arrête! Arrête, Ketchup! Ketchup! Ketchup, reviens ici! Arrête! Ketchup! Mais la gang, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle. Oh, pas de mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? On est complètement perdus. T'es sûre? Ouais. Sûre? Ouais, vraiment. T'es sûre? Sûre? Ah ouais, plus qu'un citron. Ah, oh, c'est un vibe. Oh, mais là, ça veut dire qu'on a perdu. Oh my god, guys! Ketchup est servi à quelque chose! Le gars, il est là-bas! J'y vais! Balle, c'est quoi ça? C'est un... Ah, oui, ok. C'est un ming-ming-pouf. Ne bouge pas et ça devrait bien aller. Balle? Oupsie, je me suis trompée de ligne. C'est un taré féroce! Cours, Gerlard, cours! Qu'est-ce qu'on fait, là? Coco, t'en penses quoi? J'ai oublié ce que Mara nous a demandé. C'est pas genre faire des dinosaures? J'ai faim! Ah! Oui, c'est ça, on doit faire un gros tour! Ok, mais comment on fait un gâteau? Moi, c'est ça! Ketchup! Moi, j'ai des céréales. Moi, j'ai ça! Puis j'ai ça!
Moi, j'ai des minces au blé. Incroyable. Non, non, c'est drôle qu'il y a pas qu'il tombe. C'est le temps de cuisiner. Bonjour! Bienvenue aujourd'hui à Cuisiner pour les nuls. Aujourd'hui, on va apprendre à cuisiner... Gâteau fête! Exactement! Gâteau fête! Premier ingrédient qu'on va avoir besoin pour gâteau fête. Une tranche de pain. Première étape, on coupe le pain. Oui, oui. Deuxième étape, faire tout tomber dans la bouche à Beluga. Deuxième étape. On a besoin d'un concombre et du ketchup. Mettre le ketchup sur le concombre. Ajouter un extra bélou à tout ça. Approve. Étape numéro 3. Nous avons besoin de céréales et de chenille. Saupoudrer un peu de céréales sur la tête de chenille. Qui est là? On fait le gâteau! Tu peux me donner des trucs! Tu peux me donner des trucs! T'es mal dans le plat! T'as besoin de ketchup! Ketchup! Et où la tête de Charlie? La tête de Charlie! On met ça là-dessus! Puis là, on s'en va faire le gâteau! Gâteau! Ok, soldat, gardez-vous! Soldat Maracas va prendre les présences. Soldat Anémone. Chef, oui, chef. Soldat Namasté. Chef, oui, chef. Soldat Cerise. Soldat Cerise. Bon, ben, chef, oui, chef. Hein? Et finalement, soldat Mowgli. Yo, Mowgli. Mais c'est quoi cette musique-là? Quelqu'un a appelé soldat Mowgli. Notre tâche à nous, soldats, c'est de trouver un moteur assez puissant pour aller jusque dans l'espace. Justement, je pense qu'il y en a un pas trop loin d'ici. Mais c'est dans un repère de méchants. Ça me fait pas peur, moi, des méchants. Mais c'est des brigands ninja pirates super trop méga dangereux. Ok, mais question, peux-tu avoir une uniforme rose? Parce que je viens de faire mes cheveux roses, ça irait vraiment bien. Je vais vérifier, là. Soldats, prenez vos trucs, on y va. Ouais. Fait que c'est vraiment pas par choix. Non, pourquoi? Pour savoir. Toi, Cerise, ça te stresse-tu la mission?
L'aventure? L'inconnu? Cerise? Quoi? Ah! Tu m'as-tu parlé? Des brigands ninja pirates super trop méga dangereux. C'est ça le moteur qu'on a besoin? Ouais, c'est vraiment ça, mais j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse à 4h, fait qu'il faudrait vraiment se dépêcher. Fait qu'on fait ça vite, on prend les gardes un par un, on les neutralise, puis après ça, on vole le moteur. C'est parti, le tour est joué. Hé! Hey, c'est pas Cerise là-bas? Cerise est à terre! Est en danger! Nancy! Avec moi! Hasta la vista, baby. C'est comme ça qu'on fait à Tobin Park. J'ai le moteur. Tout le monde debout, bande de faibles. Je ne pouvais pas le dire plus tôt. Ok la gang, est-ce que tout le monde a le matériel pour faire le satellite? Il est pas rose, mais on a trouvé le moteur. Mais nous, on a carburant pour le satellite. Et hey, puis nous, on a un gâteau. Puis là, on va attendre combien de temps avant de manger le gâteau? Guys, il nous reste 11 minutes et 17 secondes avant d'envoyer le satellite avant de sauver la Terre. Oh, masse de temps! Balada! Oski! C'est trop! Avec moi! C'est bon, on a construit le satellite, la gang! Vous auriez pu fermer plus tôt! Il reste juste 3 minutes et demie! Bon, ok la gang, il va falloir se reculer parce que le décollage va être dangereux. Ah! Ouais, ça y est, ton bon tour, là! Allez, ketchup, ketchup! Décollage dans 30! 29! 28! 26!
Tasse-toi et de là, c'est tellement long. Bon, décollage. Mais voyons. C'est quoi cette affaire-là? Oh, tu sais clairement pas comment ça marche. Tasse-toi! Panini? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais ça devrait fonctionner. Je pense qu'il a fait le coupé. Vous êtes dégueu pour de vrai. On avait un choix pour sauver la planète. Tu veux te porter, toi? Oh, oh. Wow, wow, c'est qui ça? C'est le Talus féroce! Ouh!